Cette machette. Je vais la tuer, cette sale garce. Octave, donne-moi ça, je te dis. Laisse-moi, je vais la terminer. Hein? Octave, laisse ce fusil. Sinon, je t'assomme. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Pourquoi tu te mets dans ces états-là? Hein? Oh, c'est pas bien ça. Il faut rester homme. Qu'est-ce que tu as fait, mon ami? C'est quand j'étais en ville. Comme mon mari était parti me laisser, un jour, moi, j'ai rencontré quelqu'un. En fait, je ne voulais pas. Il t'a violé? Non, c'est pas ça. C'est mon corps qui m'a trahi. Calme-toi, calme-toi. Il faut rester homme. Elle a scène de salaud. Oh, mon Dieu, c'est pas un salaud. En fait, reste homme. Octave, calme-toi. Hein? Ce sont des choses de la vie. Hein? Je te comprends, hein? Je te comprends. Ça arrive à tout le monde. Hein? Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je vais à la chasse. Prépare une bonne marmite. Numéro combien? Tu me vois pas? Ah, balèze. D'accord. Bonne chasse.
Mais comment le chef a bien pu savoir ça? Je ne sais pas. Je n'en ai parlé qu'aux deux femmes, à Awa et à Thérèse. Aux deux femmes? Oui. Awa et Thérèse. Mais... Dis-moi, on se demandait si c'est toi qui as raconté au chef. Je n'ai rien dit au chef. J'ai parlé à sa femme. Mais Awa, ça devait rester entre nous. Je cherchais en fait une solution pour toi. C'est pour cela que j'en ai parlé à Bintou. Mais tu n'aurais pas dû. Tu n'es qu'une idiote. Moi, idiote? Toi! Toi-même, idiote! C'était pour t'aider là. Je t'interdis d'insulter ma femme. Et puis tu devrais avoir honte. Regardez là. C'est toi qui oses me parler de honte? Hein? Laisse-moi rire. Est-ce de ma faute si tu ne peux pas contrôler ton gros cul là? Attends, mais c'est à moi que tu parles comme ça? À toi, qu'est-ce que tu veux? Mais je vais te casser la gueule! Je ne te savais pas si bagarreuse. Mais c'est eux qui m'ont provoqué. Ils viennent chez moi pour me frapper à deux. Tu t'imagines? Ils ont eu la chance. J'ai eu tort d'en parler à Bintou. Et cette rapporteuse a tout dit à son mari. Et ce con est allé tout déballer à Octave. Exactement. Donnez-nous à boire au lieu de nous regarder comme ça. Anne va chercher l'eau. Papa et toi, vous faites du footing? Oui, c'est ça. On fait du footing, tu as compris? Octave voulait tuer Mado. Baba et moi, on a séparé la bagarre. Et après, ces deux ingrats, ils viennent ici chez moi pour me frapper. Mais alors, j'ai pris la machette, moi aussi. Mais tu as mal agi. Bonjour. Awa. Rapporteuse, toi, tu vas m'entendre aujourd'hui. Awa. Rapporteuse, attends. Awa, ne fais pas ça. Awa, arrête ça. Awa! C'est quoi ça? Ma parole, vous êtes toutes devenues folles. À cause d'elle, Octave et sa femme sont venues chez moi pour me frapper. Mais dis donc, ils sont gonflés? Écoute, Awa, tout ça c'est de ma faute.
c'est moi qui ai jugé bon d'en parler à Octave. Inutile de vous quereller, Bintou et toi. Je suis le seul responsable. Tu as compris? C'est moi seul le responsable. Je t'apportais du bito pour me faire excuser. J'ai perdu la tête. Je suis désolée, Bintou. Pardonne-moi. Bon. Maintenant, rentrez à la maison. Sorbine. Ya! Get beat! Arrête de te moquer de moi. C'est qui l'auteur de la grossesse? C'est Manu. Manu! Comment tu as osé? Comme tu nous avais punis tous les deux pour une faute qu'on n'avait pas commise, je me suis dit que tant qu'à faire, on pouvait consommer la faute. Tu es ignoble. Tu pouvais faire ça avec n'importe qui. Pas avec mon meilleur ami. Mais comme ça, ça reste entre vous. Entre deux amis. Tu m'as trahi. Tu m'as déshonoré. Je vais te tuer. La partie de cache-cache se termine ici. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu ne vas quand même pas la frapper devant le chef de Koulbi? Vraiment? Donne-moi ce bâton-là. Allez. Mais vraiment, qu'est-ce qui a piqué les gens de ce village? On ne peut plus faire un passant tomber sur une bagarre. Ah. Allez. Tav. On se calme. On se calme. Toi aussi. Pourquoi tu fais ça, Bila? On t'aimait bien au village, tu sais. Foutaise! Personne ne m'aime dans ce village. Tout le monde me regarde comme un vulgaire mendiant. Malgré les services que je vous rends, tout le monde me méprise. Tu te trompes, Bila. Silence! Tu as peur de mourir. Tout le monde a peur de mourir. Mais toi, tu es différent des autres. Je l'ai remarqué. Qui es-tu en réalité? Je suis un gendarme. J'ai pris l'identité du cousin de Jean-Marie pour pouvoir infiltrer le village. Tout est bien qui finit bien alors. Tu as réussi à démasquer le bandit. Malheureusement, le bandit va te tuer. Pourquoi tu as tué tous ces gens? C'est à cause de leur argent que tous ces gens ordinaires sont arrogants. Alors j'ai décidé de les punir en les tuant un à un comme de vulgaires poulets. Mais tu pouvais prendre leur argent et les laisser. J'ai épargné Baba. Ça devrait te suffire. Je voulais qu'ils racontent aux autres pour amplifier la terreur. J'aime quand les gens ont peur. Regarde-toi en ce moment. Écoute, la seule solution, c'est que Nado avorte. C'est pas dangereux. Je connais un guérisseur capable de nous aider. C'est un très bon guérisseur. Fais-moi confiance. Il a une potion puissante capable de faire couler la grossesse. À présent, tu as vu mon visage. Je suis obligé de te tuer. Lâche cette arme. Sinon, je t'abats comme un chien. Pose ça doucement. Je préfère que Mado reste ici avec moi jusqu'à l'avortement. En effet, c'est plus sage. Tu es d'accord, Octave?
Pila, ne fais pas le con. Je vais pas te rater. Si tu tires, tu vas toucher Doudou. C'est ce que tu crois. Merci, Baba. Le chef a envoyé quelqu'un chercher le guérisseur. Je pense que d'ici là, tout rentrera dans l'ordre. Mmh. Je te remercie beaucoup de m'avoir recueilli sous ta protection. Tu sais, Octave, là, dans l'état où il est capable de me tuer. Mmh. Oh, toi, tu ne le connais pas. Mmh. Écoute, la femme du chef a aussi des responsabilités. Hein? Mmh. Et puis après tout, entre femmes, on doit savoir se serrer les coudes. Okay. Tu peux compter sur moi, madame. D'accord, merci. Hein? Mmh.